Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis, bonsoir les résistants et les résistantes. Hein. J'espère que ça va de votre côté, malgré tous les événements dramatiques qui sont arrivés. Alors je vous avais posté, en fait, j'avais voulu poster plutôt, une vidéo sur le sous-marin Titan. Et puis quand j'ai vu ce que j'avais sorti, j'ai renoncé parce que je voyais la mort, voilà. Bon. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'avais vu une explosion, mais je comprenais pas parce que je voyais pas pourquoi. Est-ce que j'aurais eu des aspects d'explosion par rapport à un sous-marin? Enfin, c'est pas un avion, quoi. Donc j'ai renoncé, mais bon. La triste nouvelle est arrivée, il me semble, hier. Ouais, bon, bah, ils ont retrouvé des débris. Donc il y a dû y avoir, en fait, non pas une explosion, mais une implosion. Bon. Donc, franchement, j'avais pas trop envie de vous poster cette vidéo-là. Il y a une explosion aussi dans un immeuble à Paris. C'est vraiment deux choses terribles qui sont arrivées presque au même moment. Et c'est vrai qu'en astrologie, j'avais vraiment des mauvais aspects, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'au niveau astrologie, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a des catastrophes, peut-être donc en préparation, on sent qu'il y a de la grogne qui monte. J'avais fait une vidéo sur des événements à venir au printemps. J'ai réécouté parce que j'ai dû la faire vers janvier dans ces eaux-là. Et c'est amusant parce qu'il y avait des choses qui ressortaient, notamment au niveau de tout ce qui est numérique. Et entre-temps, eh bien, on a la loi qui est passée sur, vous savez, la surveillance des smartphones, hein, l'activation à distance de caméras de votre smartphone ou du micro de votre smartphone sans que vous ayez donné l'autorisation. Donc ça c'était quelque chose qui, effectivement, qui était bien sorti dans les cartes. Et les histoires de fichage, de traçage, d'identification numérique. Bon. Mais il y avait autre chose qui était sortie. Quelque chose comme une action inattendue qui devait réussir. Donc, j'ai dû me planter, à mon avis, au niveau du temps. Mais bon. Alors, sans trop donner de détails, je vais refaire un tirage pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient arriver sur l'été. Voilà. Et qui serait cette fois positive pour nous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vérités qui remontent. Et puis les gens vraiment commencent vraiment à comprendre. Bah, pas tous, mais enfin bon. Il y a quand même une bonne partie des gens qui sont en train d'ouvrir les yeux. Alors, sur l'été. Bon, alors déjà, il y a l'accentuation de la misère, peut-être pas, mais enfin, des problèmes financiers pour beaucoup de gens. Oui, ça, oui. Et des gens qui s'en sortent plus, ça devient terrible, vraiment terrible. Bon. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des petites choses sur l'été? Donc, 2023, alors l'été qui vient de commencer. Hein. Donc, l'été, je vous rappelle, ça va jusqu'à mi-septembre, 21-22 septembre, dans ces eaux-là. On va en sortir 9. Donc 3 mois. On va voir ce qui sort. Parce que je sens quand même qu'il y a des trucs. Je pense que vous aussi. Hein. Alors, il y a un accord, il y a des mystères, donc des choses qui sont cachées. Il y a une alarme, une épreuve traversée. Ah, il y a pas mal de choses qui sont cachées. C'est curieux parce que là, j'ai la lune ici et là, j'ai le mystère. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Un accord encore une fois. Un refus de quelque chose, des idées et quelque chose d'ancien ou d'autrefois. Bon. Alors, si on prend mes cartes... Ouais, c'est pas comme ça. Si on prend mes cartes au milieu... Alors, au milieu, j'ai une association ou un mariage. Alors, évidemment, ça peut être une union de personnes, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'elle est au milieu. Si je lis la carte comme ça, moi, ça me dirait une union de personnes pour passer à autre chose et pour refuser quelque chose. Donc, les cartes du milieu sont intéressantes. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir finalement enfin une coalition pour faire bouger les choses? Ici, dans l'autre sens, on a bien des idées, des réflexions, si j'ai comme ça. Alors, des choses de l'autre fois, ça, faut que j'aille regarder un petit peu ce que ça peut être. Et là, des choses, des émotions, des anxiétés. Donc, c'est marrant parce qu'ici, on a l'impression qu'on va avoir vraiment une union, une réunion de personnes
qui ont réfléchi, qui ont observé, qui ont fait preuve de réflexion, qui sont quand même dans les émotions et qui veulent passer à autre chose, donc qui veulent refuser certaines choses. Ici, on a une paix. Alors évidemment, ça peut être aussi parce que c'est les vacances, hein. Donc c'est vrai que normalement, ça va vers plutôt un certain apaisement. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on pourra avoir. Mais là, on a une inquiétude. Donc c'est un peu contradictoire. Donc ça vaut le coup d'aller recouvrir. Là, on a des choses du passé. On va regarder ce que ça veut dire. Voilà. Donc je recouvre pas tout, hein. Je recouvre simplement les cartes qui demande davantage de détails. Alors ici, on a quelque chose, une paix, un apaisement, et là, il y a une orientation mondiale. C'est un peu comme si c'était une espèce d'accalmie avant que les choses bougent au niveau mondial. C'est assez étonnant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une explosion et une alarme. Ouais, d'accord. Une explosion, et là, on a des complications. Et ici, on a une association. Oh là. Bon, ça a l'air de se compliquer un petit peu. C'est marrant parce que ce que le jeu me dit, ce que les cartes me disent, c'est que là, on a beaucoup de cartes qui me font penser à une union ou une réunion. Puisqu'on a la carte ici, associé dépendant. Ici, on a la carte de la promesse ou de l'entente. Et on a aussi un petit peu les histoires d'observation et surtout le refus. Donc là, à mon sens, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais qui ne sera pas facile à mettre en place. Ou alors c'est une union avec une explosion de quelque chose qui va faire que ça va générer des complications. Bon, ça vaut le coup de refaire un jeu. En tout cas, il y a une première direction ici. Moi, j'ai l'impression que ça bouge quand même. Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose. Là, les gens, ils en ont vraiment marre. Ils ont manifesté pendant des mois, ça n'a rien changé. Le gouv continue à faire ce qu'ils veulent et à tout détruire, hein. Et là, il y a vraiment, vraiment une prise de conscience. Et je veux dire quelque chose, c'est que c'est là maintenant qu'il faut que les choses bouge, parce qu'ils sont vraiment, vraiment en train de nous mettre le numérique en place, et que, à mon sens, et si vous regardez ma vidéo sur les niveaux logiques, eh bien, à mon sens, si ça ne bouge pas là maintenant, après, ça risque d'être vraiment trop tard. Voilà. Et je crois qu'il y a des gens qui ont compris. Bon, on va faire un petit coup de divine actu pour voir si on peut effectivement avoir des événements important avec une bonne stratégie cette fois, puisqu'on a vu que la manifestation ça sert à rien, hein. Qu'à se faire casser la figure ou à se faire gazer. Enfin, s'il y a encore des gens qui croient qu'on est en démo plus loin que Rassis, bah tiens, j'ai de la violence. Bah, il faudrait qu'ils ouvrent les yeux parce que c'est fini tout ça, hein. Le pouvoir pour le peuple par le peuple, c'est pas du tout le cas, hein. Du tout, du tout. Les gens, on ne les écoute pas, on les méprise, on les asservit et on les rend de plus en plus pauvres. Bon, on va prendre cette carte-là puisqu'elle s'était retournée et puis je vais essayer de bien mélanger. Voilà. Allez, on y va. Donc sur la France, hein, on va rester sur la France. Est-ce qu'on a des choses qui arrivent sur l'été? Sur l'été. Alors, des choses qui bougeraient. Regardez ce qui sort. Faut pas en prendre de trop non plus, hein. Alors, il y a encore quelque chose en relation avec un vote. Ah, il y a l'Europe. Ah, bah, la retraite. Bon, bah, on sait, c'est passé, hein. Bon. Bon, ça, on sait, c'est passé. C'est marrant qu'ils me ressortent ça. Bon, faut croire que cette histoire de retraite, vous voyez, vote, élection, enfin, bon. Europe, retraite. Il faut croire que ça n'est vraiment, vraiment, vraiment pas passé. Enfin, je veux dire, c'est passé au niveau de la loi, mais que les gens, là, ils l'ont vraiment, vraiment gros sur la patate, si vous me passez l'expression, parce que ça ressort. Donc ça, j'avais dit, moi, dans ma vidéo astrologique,
Attention, ça pourrait vraiment faire bouger les choses. En tout cas, là, il y a un truc qui n'est pas passé. Je crois que ça c'est la goutte d'eau, à mon avis. Ça pourrait être vraiment la goutte d'eau. Bon, alors, cette goutte d'eau, on va la mettre de côté. À quoi ça pourrait conduire? Ah ben, le numérique qui ressort, hein. Ouais, quand je vous dis, hein. Bon, ils sont pressés de le mettre en place parce qu'ils savent qu'après, c'est foutu pour nous. Donc, le numérique ressort. Moche et méchant, bon, ben ça. Et un druide, d'accord. Alors, moi, je pense qu'on a trois choses. On va essayer de voir. Bon, moche et méchant, je sais pas qui c'est. Hein. C'est quelqu'un qui est méchant, en tout cas. Le druide, on sait qui c'est. C'est le professeur de Marseille. Voilà, avec l'accent. Magistrat. C'est marrant, ça sort. Bon, il va y avoir certainement des choses qui vont être actées, en bien ou en mal, je ne sais pas, pour le druide que vous connaissez, qui fait beaucoup de remous parce que il ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les choses malsaines. Bon, là, il va nous faire des révélations par rapport à des choses malsaines qui ont été faites. Alors, je sais pas pourquoi je dis malsaines, parce que c'est la carte Mimi. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Et j'ai pensé à des choses malsaines. Ouais, bon, bah écoutez, j'ai changé un peu la signification de la carte. Mais à mon avis, le professeur de Marseille, il y a aussi des choses importantes en ce qui le concerne. Bon, là, le communisme, ça montre certainement que il a simplement subi des contraintes, à mon sens, pour qu'il se taise. Voilà, prison, isolement. Donc ça, c'était aussi le mettre un peu à l'écart. Bon, il faut s'attendre encore à des choses concernant le professeur sur l'été. Pour une raison ou pour une autre, on va entendre parler de lui. Bon, c'est pas ce que je voulais savoir. Ah, il y a le nucléaire, là. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Commerce, artisanat, moche et méchant. Donc, il y a encore des choses qui vont être faites contre les commerces, ici, par rapport à l'emploi, d'accord? Et par rapport à des questions financières. Bon, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Alors, est-ce que ça pourrait être par là? On a des choses nucléaires. Des bâtiments. Alors, un bâtiment avec une nucléaire. Je sais pas pourquoi ça sort, ça. La manip. De la manip par rapport à des bâtiments et par rapport à du nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et des décès. Alors là, je sais pas du tout ce que je suis en train de vous sortir, là. Quelque chose, alors, célébrité, donc je dirais que c'est quelque chose qui va être mis en lumière. Ouais, mais je sais pas ce que c'est, hein. Et le diktat. Ah ouais, carrément. Alors, attendez. J'ai une diktat ici. Quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à une manip qui concernerait, alors, éventuellement le nucléaire, des bâtiments. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir peut-être une explosion là, parce que j'ai quand même le nucléaire. Hein. Je vois pas pourquoi cette carte-là elle est sortie. Sur 100, ne rien dire. Pourquoi est-ce que j'ai le nucléaire qui est sorti? Le forum des dévots. Le forum des dévots avec le nucléaire. Il y a des choses à ne rien dire. C'est pour instaurer une diktat. Il y a de la manip par rapport à. Moi, je pense qu'on a plusieurs événements là. Alors, attendez, parce que là, à mon avis, ces trois-là, elles vont ensemble. Le forum des dévots que vous connaissez, avec la sur-100 et la diktat. Bon, ouais. Donc, à mon avis, il va y avoir quelque chose sur l'été qui fait que ils vont essayer vraiment de restreindre encore la liberté d'expression, je pense. Ici, on avait sorti quoi? J'avais sorti le nucléaire en premier, avec un bâtiment, et de la manip et des décès. Bon, célébrité, peut-être que c'est à part. Par contre, là, il y a quelque chose. Sport, donc il y a quelque chose qui va bouger. Antarctique, et là, qu'est-ce qu'on a? Bombe et attentat. Ah, il peut y avoir quelque chose sur l'été, hein. Je sais que j'ai sorti beaucoup de cartes. Mais je sens qu'il y a des histoires, il y a différentes histoires. C'est un petit peu la difficulté avec le Divine Actu. C'est-à-dire qu'il va nous donner des événements. Par exemple, ici, le fait qu'il y ait une diktat, et ça, c'est bien sorti, je la sors souvent ces temps-ci, cette carte-là.
avec des histoires de sursang, dans l'autre sens, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ne rien dire. Donc, ça va être renforcé. Et là, j'ai un truc qui, vous voyez, j'ai une bombe ou un attentat. J'ai quelque chose. Alors, qui pourrait toucher, bon, Antarctique, bah là, bof, je peux pas trop vous dire. Généralement, c'est les histoires de reptiliens en Antarctique. Mais il y a des choses qui bougent. Le sport, pour moi, c'est que les choses bougent, puisque c'est le sport, on est en mouvement. Hein. Et je sais pas pourquoi, j'ai quand même bombé attentat avec de la manip, un bâtiment et un décès. Donc, il y a quelque chose. On va refaire un jeu. On célébrité, peut-être un événement par rapport à une célébrité. On peut regarder. Ouais, migrant, bof. Ça, on le sait. Et hôpital soignant. Bon, on va laisser les cartes de côté. On va essayer de revoir éventuellement avec un autre jeu. Mais bombe attentat. Oui, il peut y avoir un truc comme ça. Il peut y avoir un truc comme ça. Alors, bah écoutez, on va prendre le Dixit. Ah, puis on va prendre les cartes postales parce que j'en ai des nouvelles. Ouais, on va prendre un petit peu les cartes postales, voir ce qui sort. Puis je vais prendre mon Dixit ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose sur l'été cette fois, donc? Quelque chose d'inattendu. Voilà. Bon. Je ne peux pas trop les mélanger, donc on va voir ce qui sort. Alors, il faut mettre nos lunettes. D'accord? Et on a des choses ben, comme de l'enfermement quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment faire attention et bien regarder la réalité en face, mettre ses lunettes. Hein, parce que là, vous voyez, j'ai un bâtiment d'enfermement. Donc attention, il y a bien quelque chose qui se prépare. Hein. Moi, je le sens. Hein. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Attendez, on va pousser ça. Voilà. Bien, on va voir ce que j'ai comme carte. Ouais, c'est des cartes postales. J'aime bien innover de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ah, ben, j'ai trois cartes. Bon, ça, c'est les vacances. Voilà. Le soleil, les ananas. Et le café. Enfin, bon, ça me fait vraiment penser au moment des vacances. D'accord. Donc, ça, c'est l'été. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il ne faut pas oublier qu'on arrive à la fin des 100 jours, hein, de qui vous savez. Psychopathe premier. Alors, on a les enfants. Quelque chose par rapport à l'eau. Et une étape qui est franchie. D'accord. Normalement, c'est une méduse. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire là? Ah. Alors, attendez. Si ça se trouve, il y a plusieurs choses. J'ai les enfants. Avec quelque chose qui remonte de l'eau. Et là, j'ai une étape qui est franchie. Et là, il y a bien un éclair. Bon, ok. On va regarder pour les enfants, pourquoi j'ai les enfants. J'ai quelque chose qui change, un changement par rapport aux enfants. Bon, ok. On va mettre ça de côté. Avec une méduse, alors, faudra regarder s'il n'y a pas un problème d'eau qui atteindrait les enfants. Bon, écoutez, hein, ok. Par contre, là, il y a une prise de risque. Vous hein. Voyez? On franchit un cap et il y a un éclair. Alors, ça pourrait être la réponse à la question. Quelque chose qui est encore caché pour l'instant. OK. Ah, il y a quelque chose qui va... Ouais, il y a quelque chose qui va réussir. Il y a quelque chose qui va réussir. Une réussite par rapport à un éclair de foudre. Bon. Donc, et ça va susciter la joie ou l'enthousiasme. Et là, on regarde vers la lumière. Alors, attendez, ça c'est intéressant. Bon, là, il y a une dualité. Cette carte-là ne nous apprend pas grand-chose. C'est marrant. Il va y avoir quelque chose qui va être mis en place, ouais. Et c'est par rapport à une envie de sortir d'une situation d'enfermement et de retrouver une liberté. Bon, alors évidemment, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que je dise. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, si je me rappelle le tirage que j'avais fait sur les événements sur le printemps. J'avais pris d'ailleurs un autre jeu. Donc, on va continuer avec mon Dixit.
Est-ce que on pourrait avoir des événements importants sur le printemps? Pardon, sur le sur l'été. Sur l'été. Ouais. Alors, là on a l'ours et là on a une traîtrise. Encore en relation avec la Ruru. Bon, bah écoutez, apparemment au niveau de l'Est, ça va bouger aussi. Très certainement. De toute façon, ça bouge tout le temps. Alors bon. Ça n'a pas arrêté. Hein. Ça n'a pas arrêté cette guerre. C'est. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors attendez, ça m'embête. Donc je vais pas la prendre. Je vais la remettre dans le bon sens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver sur cet été? Si tu veux bien me répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose au niveau d'une communication. Ok. On a un problème d'eau et on a une destruction de quelque chose. Alors, il faudrait pas qu'on ait un problème de communication, parce que là, j'ai une destruction de l'information. Alors, cette carte-là, on peut la comprendre de plusieurs façons, mais avec une communication qui est bloquée, il y a quelque chose au niveau de la communication et il y a quelque chose au niveau de l'eau. Bon. Ok. Quelque chose au niveau de la communication. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça, c'est le code carré. Ouais. Alors, encore une fois, il y a des informations qu'on n'aura pas parce qu'il va y avoir des signaux contradictoires, donc de la confusion au niveau de l'information. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose au niveau de l'information. Une communication. Est-ce qu'on pourrait avoir un problème Internet? Je ne sais pas pourquoi. Et là, on a un problème d'eau. Bon, c'est pas ça que je veux savoir. On a un problème d'eau, ouais. D'accord. Et là, on a autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Bon, il va y avoir une offensive. Il va y avoir une offensive très nette contre nous de la part de ceux qui sont au pouvoir. Oui. Pour nous mettre en place leur fameux numérique. Et peut-être pour nous bloquer au niveau des communications. Vous voyez, et donc là, moi, ça fait plutôt penser à la sur-100, avec des cartes comme ça. Une envie de limiter nos communications, nos libertés de communication. C'est à ça que ça fait penser pour l'instant. Donc, ils vont remettre un tour de vis, surveillance des réseaux, tout ça. C'est ça que ça me fait penser. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, problème d'eau, d'accord. On va voir si on peut avoir encore autre chose. Ah, attendez, j'ai changé de jeu, parce que j'en ai encore un autre là. Voilà. Bon oui, ils sont obligés, enfin je veux dire, ils sont obligés parce qu'ils voient bien que les gens avec les réseaux communiquent de plus en plus. Donc et ça les embête. Hein. Donc c'est pas étonnant que je sorte des choses comme ça. Je me dépêche un petit peu pour que la vidéo soit trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a vraiment un truc qui est puissant. Hein. On a un truc qui est très très puissant là. Écoutez, moi, ça fait penser à une... Vous voyez, le phénix, le feu avec les bombes. Et là, vous avez l'ange de la mort. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors là, après, on a quelqu'un qui sort dans l'espace. Alors, attendez, il faut que je trouve le sens de la carte. Ouais, c'est comme ça. Là, on a une sortie dans l'espace. Mais c'est aussi quand on sort de la... comment dire, on explore quelque chose, on explore quelque chose. Donc, c'est comme si c'était quelque chose qui est caché. Ah, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre, là. En tout cas, il y a cette carte-là, je la sors pratiquement jamais. Jamais. C'est l'ange de la mort pour moi. Hein. De la justice ou de la mort, si vous voulez. Hein. Et là, il y a le feu. Il y a quelque chose qui va arriver. Attendez. Mais là, c'est aussi bizarre. Ouais. Alors, ouais, ça peut être effectivement quelque chose dans les airs. Quelque chose dans l'air. Quelque chose dans l'air. Parce que là, j'ai l'espace. Et là, j'ai un avion. Donc, quelque chose dans l'air. Et là... là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, il y a encore des histoires de magie, de dark magie.
Et ça, ah oui, d'accord. Donc c'est la ville. Ouais. Donc c'est des bâtiments en ville. Ok. Donc quelque chose qui toucherait les bâtiments en ville, éventuellement un truc avec du feu, des décès, puisqu'on les avait aussi tout à l'heure. Quelque chose par rapport à l'air. Et ouais, quelque chose par rapport à l'air. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Et là, il y a quelque chose de dark. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une destruction qui arrive. Il y a un truc qui va être détruit. Voilà, c'est ce que je vois ici. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais aller remettre un petit coup de batterie parce que je crois que mon téléphone est en train de me lâcher. Donc voilà, j'ai remis un petit coup d'électricité. Mais il y a un truc, hein. Alors, je dirais bien qu'il y aurait quelque chose. J'avais bombe attentat tout à l'heure. Bah, j'ai envie de dire que ce serait quelque chose éventuellement d'explosif qui ferait que il y aurait quelque chose de détruit. Voilà. Avec vraiment une espèce d'ange de la justice ou de mort, là. Bon. Il y a un truc comme ça. Après, je peux pas en savoir plus, moi. Bon, ici, il y a autre chose. Ça, c'est les mauvais. Qui ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Bon, ça, c'est les Ursula. Hein. Bon, les questions du diable. Ah, bah, eux, ils vont essayer de tout arrêter et de tout bloquer. Il y a un affrontement qui se prépare. Il y a un affrontement qui se prépare. Mais c'est vraiment ça que je vois. Entre, j'ai envie de dire, entre le bien et le mal. Mais c'est vraiment ça que je vois. Ce que je vois. Ouais. Bon. Donc on verra bien. C'est embêtant de dire ça, mais ça veut dire aussi que il va y avoir une épreuve à traverser. Là, il y a quelqu'un d'intelligent. Ok. Il y a quelqu'un d'intelligent. Alors, il y a l'ours encore une fois. Vous savez, ça fait penser aux BRICS, moi, ça. Oui, c'est les BRICS. Je viens de comprendre la carte. Bon, je sais bien que l'ours, il porte quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi je pense aux BRICS. Parce qu'il y a des choses intelligentes qui sont en préparation à ce niveau-là aussi. Il faudrait que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Ouais, eux, ils vont tirer leur épingle du jeu. Mais vraiment, hein. Vous verrez, hein. Alors là, il y a un jugement qui arrive. D'accord. Ouais, bah ils vont prendre leur revanche hein, sur l'Europe, c'est sûr. Parce que nous, on va se retrouver la porte fermée. On n'aura pas le droit d'accéder au paradis des BRICS. Bah oui, puisque ils vont avoir une nouvelle monnaie adossée à l'or et à tout ce qui est précieux. Donc une monnaie qui vaudra quelque chose. Et ils ont ensuite le monopole de toutes les sources d'énergie. Donc, ils ont une croissance qu'on n'a plus. Hein. Ils ont l'argent, enfin, plutôt une monnaie qui a une valeur, ce que l'on n'a plus. Et ils ont. Qu'est-ce que je dis? Ouais. Enfin, ils ont toutes les sources d'énergie, ils ont l'argent, ils ont tout, quoi. Ils ont tout, ils ont une croissance, ils ont tout. Donc, on va se retrouver devant la porte du paradis qui nous sera fermée. Bon. Donc, en fait, ça, c'est encore une autre information. Les BRICS. À mon avis, ils vont prendre la gouvernance mondiale. Ouais, ça j'en suis sûre. Bon, enfin bref. Alors, bah écoutez, j'en saurai pas plus, hein. Puis je vais pas faire la vidéo trop longue non plus. Mais il y a quelque chose qui se prépare, d'assez violent et en relation avec le feu. Voilà. Et qui va créer, à mon sens, quelque chose, une espèce de chaos. Quelque chose qui va être figé, puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne là. Il y a une destruction qui s'amène, hein. Bon. Alors, on va voir. De quelle façon va réagir le Gouv? Bon, bah, il y a bien quelque chose. Effectivement, il y a bien un truc. Il hein. y a bien un truc, hein. Effectivement. Vous voyez, ça, on ressort encore le feu. Alors, j'étais la réaction du Gouv, moi. Bah, ils vont être perdus dans le désert. Ouais. Ils vont être perdus dans le désert. Et. Attendez, j'ai encore un. Et il y a une dérive qui est en train de se faire, ou un morcellement. Ils vont essayer de cacher l'information.
De cacher l'information. C'est marrant que j'ai des cartes comme ça. C'est bizarre. On va avoir une désinformation à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On va avoir de la désinformation par rapport à ce qui va arriver. Bon, j'ai pas trop de. J'ai pas trop de réponses par rapport à la. Par rapport à la réponse du gouv. J'ai autre chose qui arrive. Attendez, il faut que je refasse un jeu. Je sens qu'il y a un truc qu'il faut que j'explore là. Je vais garder les cartes qui, à mon sens, sont les plus fortes. Parce que c'est rare que je sorte ces deux-là ensemble. Ça m'est jamais arrivé. Et je sens qu'elles veulent me parler. Attendez, je fais pause et je les reprends. On va demander une dernière aide à l'Aurora, que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ces deux cartes-là? Je vais en sortir juste une. Hein. Sans regarder la coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ces deux cartes-là? C'est quelque chose qui va faire jaser. Bon. Donc, on va en parler. Bon, j'avais dit juste une, mais bon, ça m'avance pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des questions de concentration, de réflexion. Donc, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Ah ouais, non, mais il y a un truc, hein. Vous voyez, je ressors encore l'explosion, là. Bon, il y a un truc de feu, voilà. Si j'avais un élément à donner, ce serait l'élément feu. C'est ça, parce qu'on l'a ici et on l'a ici. Donc, il faut s'attendre à un truc explosif ou un truc comme ça. Je vous renvoie éventuellement au tirage que j'avais fait sur les événements sur le printemps, où j'ai dû me planter, à mon avis, de quelques mois, hein. Parce que là, je sens que les choses se rapprochent. Bon, voilà, je vais arrêter le tirage là maintenant. Et puis, bah, écoutez, on verra bien. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. Hein. À bientôt, je fais la bise. Au revoir.